RMC, hashtag manien. Oui, sur les réseaux sociaux, charlemagnien, hashtag pour remercier les enseignants qui nous ont marqué merci prof. Oui, hashtag merci prof, on se souvient tous de cet enseignant qui nous a transmis sa passion de l'histoire géo, de ce prof qui nous a donné le goût des maths, et eh bien il est le temps de les remercier, c'est en tout cas l'initiative lancée par le projet Voltaire, outil en ligne d'apprentissage de l'orthographe, déjà utilisé dans 3000 établissements, le principe est simple, chaque français est invité à se prendre en photo avec une ardoise ou une feuille a 4 sur laquelle il partage un message de remerciement à un prof en particulier photo ensuite diffusée sur les réseaux, sur les réseaux sociaux avec ce hashtag merci prof objectif valoriser le métier d'enseignant dont on parle régulièrement des difficultés au quotidien il s'agit de porter un regard positif sur les profs dont on se rend compte souvent bien des années plus tard de tout ce qu'ils nous ont apporté oui bien apprendre à l'école sera ensuite essentiel dans la vie pour un homme comme pour une femme oui notamment pour, pour séduire, séduire mais, mais oui, oui. Car faire des fautes d'orthographe rend et moins oui. désirable. L étude réalisée par le site de rencontre Adopt un mec, mais c'est vrai, qui montre qu'un homme qui écrit avec des fautes d'orthographe a deux fois moins de chances. Oui, alors en l'occurrence, c'était une étude sur les messages des hommes, deux fois ah bon. moins de chances de matcher avec une femme célibataire, entamer la conversation avec un salut SAVA, S-A-V-A, -A, et le meilleur <laughs> moyen d'y mettre fin prématurément. <laughs>